Bien, salut les amis, c'est Benoît le Barbu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Last Day Honors, une vidéo un petit peu spéciale puisque du coup là cette fois-ci, après avoir fait le sous-sol 4 en mode classique, en attendant, on avait fait en un petit peu plus de 5 minutes, nous allons tenter de faire, alors je vais pas faire tout le bunker sous-sol 3 sauf si vous m'explosez cette barre de pouce bleu, vous me le demandez, mais on va essayer de se faire donc le gros lard en un mode ultra accéléré, je sais pas combien de temps on peut le faire. J'ai mon mode temporaire, il me reste encore 13 minutes. J'ai deux pompes. Je suis habillé, voilà, classique, assez classique. Voilà, on va juste changer ça. J'ai seulement 16 kits de secours et deux pompes avec d'autres armes. Et on va essayer d'exploser le compteur. Donc, on va mettre le compteur à partir du moment où j'ouvre la porte et je rentre à l'intérieur. À l'intérieur de notre enclos, de notre pièce avec le Blind One. Donc du coup, je me prépare à appuyer sur le chrono en même temps. 1, 2, 3, c'est parti, let's go! Alors, oh non, du coup, le fail, du coup, j'ai pas appuyé sur la porte. Il aurait peut-être fallu que ça se déverrouille d'abord et ensuite on y va, c'est parti! Clac! Le compteur, il a démarré, on va commencer tout de suite. Allez, viens là le gros lard, viens là le gros lard, on va se mettre en position tranquillement. Et on n'a pas le time, on n'a pas le time, on n'a pas le time, il faut lui arracher le plus de dégâts. Voilà, vas-y, fais-toi plaisir, on lui a déjà envoyé une centaine de points de vie. Et là, par contre, on va lui exploser. On va tout lui exploser, du coup, grâce à ce glitch qui est tout simplement fabuleux. Oh là 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 là! On est à 172 de dégâts, on est en moins de 20. Je pense qu'on va le faire au moins. Allez, 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 faut le taper, faut le taper, faut le taper, faut le taper. On va le faire en moins d'une minute, on va le faire en moins d'une minute, je pense. Allez, allez, on est en moins d'une minute, on est en moins d'une minute, oui! On est en moins d'une minute, on est en 43 secondes! Oh là 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 là, 43 secondes pour tuer le Blind Wand! Il a pris cher, il a pris cher, et encore, j'aurais pu faire un petit peu mieux si... j'aurais pu faire un petit peu mieux, je pense. Je suis déçu, je pense qu'il y a peut-être moyen de le faire en 30 secondes. Et encore 30 secondes, je pense que c'est peut-être juste, c'est peut-être juste. Mais voilà, je pense que c'est une très très belle faire, une très très belle perf. On a explosé du coup le Blind One. Je sais pas à combien était le record. Je crois que Binichou il avait fait une vidéo également là-dessus. Je sais pas si d'autres youtubeurs avaient également fait ce type de vidéo. Honnêtement, je trouve ça plutôt rigolo. Voilà, ça change un petit peu. C'est vrai que de voir des vidéos où on essaie d'accélérer, de finir le bunker en attendant record, je trouve que c'est plutôt sympa. On peut également, bien évidemment, le faire sur par exemple par exemple le gros lard. Le gros lard, parce que du coup c'est vrai que c'est d'une façon on peut s'en occuper de façon très très rapide également. Voilà, il est quasiment bah ouais, il est fini, hein, on n'en parle plus. Hein. Le fait d'accélérer le temps, enfin d'avoir le double d'avoir les coups critiques grâce au secteur 7, honnêtement ça permet de faire des perfs énormes, de finir le bunker avec des temps plutôt importants. On pourrait même parler d'insolence presque, hein, parce que du coup ça va tellement vite. Après, avec cette petite technique de double glitch, de glitch où vous appuyez sur le mode automatique et sur la gâchette, eh bien ça permet quand même d'accélérer les choses. Ça permet vraiment de gagner beaucoup beaucoup de temps pour faire. Voilà, on va se refaire encore le petit Blind One qui est là, le gros lard qui est là. Voilà, viens par ici. Alors déjà, on va juste l'abîmer un petit peu avec ça, puis on va le finir après. Tranquillement aux pompes. Mais voilà, on va pas faire tout de suite. Oh la vache, oh la vache, oh la vache, oh la vache. Alors on va y aller comme ça, vas-y. Et voilà, terminé, on n'en parle plus. Voilà, petit bonus, on va dire. Et puis écoutez les amis, si vous en voulez d'autres, si vous voulez d'autres records comme ça, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, à lâcher un maximum de pouces bleus. Moi je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. À la prochaine, ciao ciao les amis.